que vous avez le sentiment ce matin, je vous demande de répondre, parce que les gens sont quand même très inquiets, que ce virus et ses différentes versions sont en train de bouleverser l'organisation sociale de la société, mais pas simplement en France, pas simplement à Marseille, chez vous, mais en Allemagne, en Italie, en Europe. Vous avez dit un jour, il faudra... J'ai consulté la vidéo que vous avez mis en ligne hier. Un jour, il faudra qu'on comprenne pourquoi les pays occidentaux sont plus touchés que les autres pays du monde. Ah, moi, vous auriez lire mon livre précédent sur les crises. Si vous voulez, moi, j'ai déjà vu ce pays se mettre en transe et l'Amérique se mettre en transe à propos du charbon il y a 20 ans. Donc, si vous voulez, ce qui se passe là, moi, ça m'étonne. Et donc, depuis le début, je dis une chose que je continue à penser. Le monde dans lequel nous vivons, le monde occidental, est un monde terrifié, c'est un monde qui a peur, et que donc n'importe quel événement est un monde qui est un instant qui le terrifie. Mmh. Et donc, bien sûr, cet épisode viral est un épisode qui révèle l'état d'affolement. Peur de notre société. Mais je vous donne un seul exemple pour terminer, Didier Raoult, merci d'être en direct avec nous. Prenons par exemple la modélisation concernant les États-Unis. Plus de 200 000 morts, certains donc considèrent qu'à Noël on arrivera à 400 000, c'est plus que la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut pas considérer que nous sommes terrifiés, c'est que c'est terrifiant. Non, parce que si les pays qui sont terrifiés, si vous voulez... Ça, c'est les raisonnements circulaires, ça. Quand vous êtes terrifié, vous ne faites que des bêtises. C'est ce qui se passe dans les pays occidentaux, on ne fait que des bêtises. On est à la fin d'un système, moi je l'ai vu de mes yeux, sur les camps devant une maladie, au lieu de vous demander comment on va le gérer, comment on va faire les tests, comment on va hospitaliser, comment on va trouver les lits pour le faire, vous avez des gens qui ne pensent qu'à faire des essais thérapeutiques avec Gilead, eh bien vous êtes au bout d'un système.